Professeur, je vous ai fait venir pour quelques tests. La loi de Richter et de Berzelius. Si petit a, petit b, petit c sont les masses des corps grand A, grand B, grand C qui sont susceptibles de s'unir à la masse petit m d'un autre corps grand M. Et puis tu m'ennuies, je connais mon métier, non? Allez, va chercher Carole. Attendez-moi, je reviens. Vous êtes sûr, Théo? Sûr. Il délire entièrement, mais sur le plan mathématique, son cerveau a conservé toute sa lucidité. Mais nous n'en demandons pas plus. Bien sûr. Respectons son délire, jouons son jeu et faisons-le travailler pour nous. Alors on le descend, patron? Ah non, grognage. Pas cette fois-ci. Voilà, mon petit, tu en as mis un temps à ramener ta fiancée. C'est que, voyez-vous, professeur... Oh, Carole, ma petite fille, te voilà enfin. Moi? Allez, embrasse-moi vite. Non, professeur, je suis claquemuche. Alors, joue pas avec moi. Embrasse ton vieux père. Professeur, je... Entrez dans le jeu, claquemuche. Bon... Là. Ah, et qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, papa. C'est tout? Bonjour, mon petit papa chéri. Ah, et ton fiancé, tu ne l'embrasses pas? Hein? Alors, quoi? Tu en meurs d'envie. Bonjour, mon petit Théo. Bonjour, ma Carole. Ah, oh, comme j'aime quand tu me serres dans tes bras. Ma chérie. Aïe! Hé, tu piques! Mon amour. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dingues. Patron, moi je vous trouve équivoque. Tais-toi, grognache! Bon. Tu vois bien que je suis avec mon fiancé. Mais monsieur Claquemuf, enfin... Ah. Oh, le beau chien! C'est à toi, Carole? Ouais. Oh, qu'il est mignon! Allez, coucher, là. Coucher. Quoi? Eh ben, couche-toi, grognache. Mais patron... Fais le chien, ne discute pas. Oh, ouah. Le beau grognage. Oh, comme il a le regard intelligent. Allez, fais le beau. Allez, vite, fais le beau. Alors, ma chérie, à quand le mariage, hein? Eh bien, voilà. Mon petit papa chéri, oui. J'ai promis à Théo de l'épouser, mais pas avant qu'il n'ait fait ses preuves de savant. Ah, ma petite Carole, je te reconnais bien là. Alors, professeur, si vous voulez bien m'aider, nous pourrons tous les deux réaliser le réappellateur de densité. Et alors, Carole me donnera sa main. Oui, voilà. T'aider, mon petit, mais avec joie. Promis, bon papa. Oui, Théo, promis. On se mettra au travail dès demain. Dès demain. Ah, à deux conditions, bien sûr. Lesquelles? Carole. Oui. Tu me prêtes ton chien, le beau grognache, pour l'attacher à ma chaise toute la journée. Quoi, moi? Ne discute pas, grognache. Oh. Et quoi d'autre, professeur? Eh ben, c'est idiot, je suis vieux jeu, mais n'aime pas que les jeunes filles portent la culotte. Alors? Alors, ma petite Carole, dès demain, je veux te voir en jupe légère, avec un petit corsage, des bas de soie. Mais voyons. Bien coiffé. Mieux coiffé, hein? À ton âge, il faut soigner. Mais... Alors, tu te feras faire une indéfrisable. Hein? Mais, papa chéri... J'ai dit. Discutez pas, patron. Oh, ta gueule, toi, sale chien! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.